Bon, Emmanuel Tunimi. Le caractère du mec, j'adore. Ouais, Emmanuel Tunimi, ouais, c'est ouais. Ce qu'on m'appelle. Pareil qu'on t'appelle comme ça, ouais. Ouais. Bon, tu nous dis qui tu et es. Et ça commence à devenir une amie. Ok, je te dis qui je suis. Ouais. Mais de quel point de vue? Je sais pas, imagine que quelqu'un te connaisse pas. Il y en a qui te connaissent pas encore. Pas beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Non, il y a toute une génération qui est à peu près intégralement convaincue de la performance. Ah, mais imagine qu'il y a des gens qui sont nés après toi. Ah non, mais ça arrive, hein. Non, c'est pas possible. Ça, et qu'on est un peu inculte. Non, mais il a été écrit que c'était pas possible. Bah, je sais pas, moi, je fais des livres et des disques. Tu fais des livres et des disques. Ouais. Et des tas de petits objets. Des petits objets. Ouais. T'es diplomate aussi, pareil. Non, pas de carrière. Je travaille pour la diplomatie, mais je suis pas diplomate de carrière. Poète. Non. Philosophe. Un peu. Ouais. Essayiste. Aussi. En gros, t'es polymorphe. Hein. Oui. Oui, oui, aussi, polymorphe, et surtout au réveil. J'en sais rien, oui. Enfin, est-ce que les choses que je fais, je pense, le sont. Mais moi, je ne sais pas, sait-on jamais ce qu'on est. Non, on ne le sait jamais vraiment. Tu nous parles un peu de ton travail. C'est quoi le thème de la vie scolaire? La vie scolaire, c'est un livre qui est apparu il y a maintenant une 15 ans, presque. En 2002. Oui. Et qui était à l'origine un projet de roman naturaliste. Je voulais écrire un truc à un roman naturaliste qui serait le d'abord qui répondrait aux critères du genre, et puis ensuite qui serait le dernier que je ferais de ce genre. Le premier, le dernier, quoi. Enfin bref, le seul. Voilà, et comme je connaissais absolument aucun milieu et que le naturalisme explore vraiment les milieux, sinon celui de l'éducation nationale, dont à l'époque je sortais fraîchement, à tous égards d'ailleurs, j'ai décidé d'écrire un livre naturaliste sur le monde de l'éducation. Bon, allez, instinctivement, voyons si tu t'en rappelles. Une phrase, une seule, plus qu'une autre, qui résumerait le bouquin. Ah, j'ai aucun souvenir de ça. Je me relis très très peu et je serais vraiment incapable de te dire ça. Et puis je fais des phrases longues et tout, je vais ennuyer les gens, les gens vont être, vous allez vous ennuyer. Non, je suis incapable, je t'assure, je me souviens plus. En fait, ça tombe bien, il n'y a quasiment pas de phrases longues dans ce bouquin. Il n'y a pas de phrases longues dans ce bouquin? Non. Ah bon? C'est très instinctif, ça roule, ça déroule. D'accord. Ah bon, j'avais l'impression que les phrases étaient longues, dis donc. Et puis alors, là, le bouquin, comme c'est pas le mien, en fait, je pourrais éventuellement... Tu peux lire une phrase? Parce qu'en fait, on est très beau, on a fait une super couverture, ouais. Mais le bouquin à l'intérieur, c'est pas le bon. C'est ça qui est marrant. Et puis, Allah Abdallah, 15 rue du docteur Picot, c'est pas dans mon livre, ça. Non, j'essaie de le remettre, mais même à la correction, ça fonctionnait pas. Bah non. Alors, est-ce que je me souviens d'une phrase du... Non, mais j'aime bien, il y a un truc que j'aimais bien, c'était une idée de ma femme, d'ailleurs, c'était pas une idée de moi, c'est que le héros, il s'appelle le romancier Stendhal du 18e siècle. Parce qu'elle avait corrigé une copie dans laquelle il était mentionné que le romancier Stendhal du 18e siècle, etc. Et j'ai trouvé ça marrant que le héros s'appelle le romancier Stendhal du 18e siècle. Surtout qu'à la 158e fois qu'on commence à lire le romancier Stendhal du 18e siècle, on commence à comprendre que c'est un peu récurrent. Oui, c'est ça. Mais faut pas hésiter à lasser un petit peu les gens. Il y a un côté un peu schizophrène qui est assez intéressant. Peut-être aussi, oui. Oui, c'est possible. Bon, allez, la phrase marrante. Imagine ce bouquin comme une musique ou une mélodie. C'est pas toi que je vais demander ça, ouais. Mais en fait, si, je te le demande. Il y a un sous-titre, hein. c'est un roman et c'est une élégie. Et la forme élégiaque dans la musique du 20e, c'est le blues. C'est un blues. Ouais. Voilà. Oui, si, c'est un blues. Un blues. Voilà. Ouais, moi je dirais que c'est un blues. Mais moi, je suis moins cultivé que toi, je suis moins mélomane. Hein. Le blues, oui, bien sûr. C'est vraiment un blues. Hein? Dis le gars qui apprend à jouer du oud. Oui, j'apprends à jouer du oud, ouais. Faut s'occuper. Hein. On fait ce qu'on peut. Bah oui, c'est ça. Avant, je fabriquais des cotons-tiges, mais ça attirait moins le chaland. Ouais, ça fait moins littéraire en plus. Ouais. Ah, je suis pas sûr de ça. Bon, allez, une petite dernière pour la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais partager en priorité avec tes lecteurs? Pas de nudité, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'aimerais partager le plus possible avec. En priorité lecteurs, avec tes lecteurs. Mais qu'est-ce que j'aimerais que le roman partage avec les lecteurs ou moi? Le roman ou toi? Ah, le roman, oui, parce que moi, rien de spécial, mais j'aimerais bien que ce soit qu'il y ait une telle exaspération, une forme tellement ultra de la situation décrite,
que ça rassure un peu les gens sur leur propre rapport à ça, que ça décoince un peu l'inquiétude qu'on peut avoir quand on, par exemple, lorsqu'on est professeur ou élève, et qu'on se dit ça pourrait être pire, en quelque sorte. Mais c'est un peu le projet du roman naturaliste, hein, c'est de sentir qu'on est un peu moins malheureux que les gens dont le parcours est décrit ou accompagné dans ces livres-là. En gros, c'est ça. Ça va pas si mal, quoi. Il y a un truc déjà que j'aime bien, c'est dur aujourd'hui la crise, demain ça sera vachement mieux. Voilà, ce serait peut-être ça le. Mais même en tant que parent, on s'y retrouve assez finalement. Ouais. En se disant que. Dans le tout est scolaire, c'est pas si grave. Ça aurait pu être pire. Bah, il vaut mieux, oui, d'une certaine façon, c'est mieux que si c'était pire. Voilà, exactement. Eh oui. Allez, je te remercie. Eh ben, je t'en prie.